personne qui te parle, s'il avait le Saint-Esprit en lui avant de te poser des questions, et tu commences à mentir, tu as détruit ton âme. Tu as détruit ton âme. Si Dieu dit à quelqu'un, je ne compte pas pécher pour toi, il a menti, il a menti, c'était vrai. Tu as détruit ton âme. Combien de personnes ont détruit leur âme? Combien de personnes ont détruit leur âme? Faites-vous attention. Comme la Bible a dit, Jean 6, 16 à 17. On peut prier pour ceux qui ont péché. Ceux qui ont péché, la péché qui ne met jamais à la mort. On peut intercéder pour ces gens. Mais les gens qui ont commis péché, qui les amènent à la mort, ils ne vont jamais prier pour ces gens. Quand vous voyez les gens qui commencent à attaquer chaque jour, on a pris encore. On a attendu encore, on a vu encore. Chaque jour, c'est ça les réunions. Chaque jour, c'est ça les imaginations. Priez ces gens. Fuyez-le comme la mort. La mort n'est que petit. Fuyez-le comme l'enfer. Fuyez-le. Fuyez-le. Run away from them. Ceux qui ont péché, et les péchés les amènent à la mort. Fuyez ces gens. Quand vous priez, le nom de vos familles, soyez sages. Mon frère, Kofi, mon frère commun, Seigneur, je prie pour eux. S'ils ne sont pas péchés contre le Saint-Esprit, écoute ma voix. Mais s'ils ont péché contre le Saint-Esprit, Seigneur, merci de m'avoir libéré. Parce que celui qui pêche contre le Saint-Esprit, comme le dit 2 Jean 10 à 11, vous allez voir. 2 Jean 10 à 11. Quand tu le dis, oh bonjour, tu es détruit. Quand tu lui dis bonsoir, il te le partage. Le même sort. Dans toutes les maisons, ils ont déjà sur eux. Fardeau. Ils ont le fardeau du monde à la tête. Ne sors pas avec ces gens. Oui, il dit quoi? J'ai lu au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 2 Jean, verset 10 à 11. Ouais. Si quelqu'un vient à vous, si quelqu'un vient à vous, if somebody comes to you, et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. Et n'apporte pas la doctrine de Dieu. And it will not be God's doctrine. Ne le recevez pas dans vos maisons. Do not receive them in your house. Et ne lui dites pas salut. Ne le dites jamais salut. And do not greet them. Car celui qui lui dit salut, participe à ces mauvaises. Tu vas participer, tu vas partager cette mort. Quand tu lui dis salut seulement, vous allez croire que c'est de la blague. Vous allez croire que c'est de l'amusement. Si Dieu vous a une fois établi juge, si Dieu vous a dit une fois qu'il vous a appelé, si Dieu vous a dit que d'amener les hommes au ciel, si Dieu vous a donné mandat d'arrêt de ramener les hommes au ciel, dites aux gens de quitter aux gens. Vous verrez. Non, elle a fait d'allumer un prix. C'est des mensonges. Ils sont morts. Ils sont morts debout. C'est des serpents. C'est des races vipères. C'est des hommes animaux. Des hommes animaux ne reçoivent pas le choix de Dieu. Rats de vipères. Qui vous a appris que vous allez échapper à la colère de Dieu? Qui vous a appris que vous allez échapper à la colère du Saint-Esprit? Qui vous a appris? Soyez sages. Deux Rois chapitre 1. Du 1er à 14. From 1 to 14. Quelque chose qui se produit. Something took place there. Quelque chose qui se produit. Je lis la voix de Dieu, l'Opuissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 2 Rois chapitre 1, 1er à 14. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Achab. Or Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébub, Dieu des Crocs, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël
que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Achazia, et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre, et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé, et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Achazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit, c'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès de lui qui était assis sur le sommet de la montagne et il dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Et lui répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes. Achazia envoie de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes. Achazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie. Verset combien? Verset combien tu lis? Verset 13. Et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Verset 14. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et les 50 hommes. Amen. Mais, maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. Amen. Praise the Lord. Praise be to God. Le roi d'Israël. The king of Israel. Il est tombé, il est malade. He fell sick. Et puis. And then. C'est le dieu, les idoles là, c'est sur ça lui compte. And it's on the idols that he counts on. Quand Dieu dit, l'ange de Dieu dit, Élie, va les empêcher de parler. When the angel of God said, Elijah, go and prevent them from going. De l'empêcher de parler, ils sont enflammés. He got angry because of it. Allez, quand tu m'écoutes, tu t'es enflammé. At the hour you listen to me, you got on angry. On t'empêche, tu n'as pas péché contre le Saint-Esprit, tu t'es enflammé. Being prevented from sinning as the Holy Spirit, and you got angry. Dieu m'a dit, empêche-le. God told me, prevent them. Au lieu de dire de saisir d'une crainte respectueuse. Instead of being seized, et tremble devant Dieu. Tremble before God. Et dis, oh Dieu, pitié de moi. Say, oh God, have mercy on me. Oh Dieu, pitié de moi. Oh God, have mercy on me. Et pitié de moi. Have mercy on me. Toi, you, qui aimes les gris-gris, who loves gris-gris, Dieu ne veut pas ça. God does not want tu ne vas te détruire. Toi you. Qui aimes les idoles, you loves toi idols. Qui aimes les gris-gris, tu es résident, c'est différent dans ce monde. You loves African amulets, Dieu va te consumer. God is going to consume il va te détruire. God is going to destroy you. Et ta fin sera que misérable. And your end will be miserable. Et tu peux te dire que tu es riche. You might say that mais you're tu ne sais rich, pas que tu es pauvre. But you do not know that you're poor. Tu vas te dire que tu vois. Tu ne sais pas que tu es un aveugle. Tu ne sais pas que tu es malheur. Tu n'es que malheureux. Tu n'es qu'un homme qui est nu. You are naked. Élie l'a empêché. Élie les a chassés. Elijah kicked them. Ce qui les sert. What il dit, c'est qui a osé? Who dared? Quand on l'a dégagé, c'est Élie. He said, oh, it's him again. Allez l'attraper. Go and catch him. Allez l'attraper. Go and catch him. C'est tout ce que vous aimez. That's all you attraper. Love.
4. Fais mal aux gens. Elia dit si vraiment je suis un de l'Éternel. Que le feu vous consume. Que le feu vous consume. Tous les 50 et les chefs. All the 50 and their captains. Le feu vous consume. May fire consume. Ils sont zélés. Elie, descends-toi. Si je suis vraiment un de Dieu, que le feu vous consume. There is zealous thing. Hey Elijah, come down. He prayed. Saint-Esprit n'aime pas. Il n'y a pas pitié chez lui. There is no pity with the Holy Spirit. Il n'a pas pitié. He does not have Faites-vous pity. Attention. Be careful. Mais la troisième, c'est la troisième personne. Non? La troisième personne dit que ma vie fait quoi? Sois précieux à tes yeux. Il s'est humilié. Parce que devant lui, voir comment les gens sont devenus cendres. Il ne l'a pas trouvé un chemin. Il voit comment les temps sont devenus. He saw how the state was. Il n'est pas bête. Que ma vie soit précieuse. May my life be precious. Tout enfant de Dieu. Je ne prie. Et dis Seigneur. Que ma vie soit précieuse. Pour que je ne pêche jamais pour le Saint-Esprit dans ma vie. Ni mes enfants. Ni mes descendants. Pleurez. Que mon âme soit précieuse. Si vraiment tu as souffert. Si vraiment tu es mort. Pour mon âme. Que mon âme soit précieux. Que mon âme soit précieux. Que mon âme soit précieux. C'est de ça que nous devons demander. Si nous demandons toutes ces choses, ça Dieu va nous accorder. Il va donner limite à tous les individus, à tous les démons, pour que nos âmes ne soient pas perdues. Car Dieu a mis une signe sur la vie de Akan. Zakan, Cain. Dieu a mis un signe sur Akan. God put on Canaan, pour que personne ne le tue pas. That nobody might kill. Supplie Dieu. Beg God. Qu'il met un signe à notre faveur. That he might put a sign. Que nous ne péchons pas contre le Saint-Esprit. So that we do not sin against the Holy Spirit. Que nous ne péchons pas contre le Saint-Esprit. That we do not sin against the Holy Spirit. Sinon, otherwise, quand tu vas pécher contre le Saint-Esprit, when you're going to sin against the Holy Spirit, tu es foutu. You are screwed. Tu es foutu. You are done. Tu es foutu. You are finished. Tu es foutu. You are screwed. Tu es foutu. You are screwed. Il dit que ma vie soit précieuse. Lui, c'est ça qu'il a dit. Toi, que ton âme soit précieuse devant Dieu. Qui empêche tous les ennemis, tous les chemins que tu vas prendre à ta vie, que tu ne trouveras jamais les gens qui ont péché le Saint-Esprit. Je éloigne tous ces gens sur mes chemins. Éloigne les gens mauvais sur mes chemins. Quand tu fréquentes les hommes mauvais, tu vas devenir mauvais automatiquement. When you go with wicked people, you're also going to become wicked. Si tu fréquentes les gens mauvais, tu automatiquement tu vas devenir pire que eux. If you spend time with wicked people, Dieu, empêche-moi. Lord, prevent empêche-moi. Empêche mes enfants. Empêche mes familles. De ne jamais prendre le chemin qui va nous détruire. Qui va nous nuire. Bien-aimé, fais ce prière. Très, très, très important. Sinon, Hébreux 10, 27. Hébreux 10, 26, 27 là. C'est un péché qui n'y a pas de sacrifice. Si tu as une femme matérielle contre le Saint-Esprit, c'est un péché qu'on ne va plus changer. Vous qui mentez quand vous respirez, et devant cet esprit, tu sais que tu es conscient que tu mens. Tu as détruit ton âme. Tu as détruit ton âme. Bien-aimé, ne risque pas de combattre Dieu. Si l'entreprise vient d'un homme, cette entreprise va détruire de lui-même. C'est une vérité. Toutes les entreprises qui ne viennent pas de Dieu, ça ne dépend pas l'année que vous allez faire. Ça va détruire. Mais si l'entreprise vient de Dieu, ne risque pas. Vous risquez de combattre Dieu. Vous risquez de combattre cet esprit. Vous risquez. N'oublie pas ce verset. Hébreux 10, verset 26, verset 27. Tu es foutu. Tu es foutu. You are screwed. Oui. J'ai la voix de Dieu, notre tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Hébreux 10, verset 26e ou 27e. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Si nous péchons volontairement, if we sin willingly, si nous mentons volontairement, if we lie willingly, pour saler l'image des gens, pour que notre cœur soit apaisé, c'est ce que nous savons faire. That's what we know how to do. Il n'y a aucun sacrifice. There is no longer a sacrifice. Il n'y a aucun sacrifice. There is no longer a sacrifice. Le chemin terrible. Terrible judgment. Le chemin terrible. Terrible judgment. Le péché contre le Saint-Esprit. Le jour te dit que tu es peu contre le Saint-Esprit, tu es foutu. Tu es foutu. Tu es foutu. You are pour toujours. Forever. Comme Jérémie 23, 28 à 32. Les gens prennent leurs propres paroles pour la parole de Dieu. Tu es foutu. Vous prenez vos propres paroles comme c'est la parole de Dieu. Mais Dieu m'a dit ça comme le vieux prophète. Il sait peut-être que tu mens. Mais tu dis que Dieu m'a dit. Oh, Dieu m'a dit qu'il n'est plus avec lui. Oh, Dieu m'a dit qu'il a déjà quitté. Attendez, il va mourir. Dieu m'a dit. Si Dieu ne te bâtit, tu n'es qu'à mort. Les gens prennent la tromperie de leur cœur pour fabriquer des mensonges, des rêves. J'ai rêvé, j'ai eu un songe, j'ai rêvé la tromperie de leur cœur. Juste pour séduire quelqu'un, pour quitter quelqu'un, bien-aimé, faites-vous attention, faites-vous attention. Hébreux 10, verset 30, Hébreux 10, verset 39, il dit quelque chose. Il y a des gens qui ont la foi pour tuer leur âme. Il y a des gens qui ont la foi pour pécher contre le Saint-Esprit. C'est leur foi ça. Oui. Lui, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Hébreux chapitre 10, verset 39e. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ne sois pas parmi les gens qui se retirent. Do not be among those ne sois pas parmi eux. Do not be among them. Ne sois pas parmi eux. Do not be among them. Ne sois pas parmi eux. Do not be ils among se retirent them. Un à un. Draw back ah, là, oui, mon conseiller. Hey, merci. Oui, tu sais que le conseil que tu m'as ouvert les yeux. Thank you. By your hey, maintenant, je suis vigilant. Maintenant, je suis éveillé. Il y a des gens qui ont la foi pour se retirer, pour perdre leur âme. Ne perds jamais ton âme. Ne perds jamais ton âme. Ne fais jamais blasphème contre le Seigneur. Jamais dans ta vie, ne le fais pas. C'est un péché éternel, ne le fais pas. Ne le commettes pas. Sinon, tu ne pourras pas s'en sortir. Ça ne pourra pas t'avantager. Toi, il faut pas parmi les gens qui se retirent pour perdre leur âme. Mais toi, sois parmi les gens qui hein? Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous faites parmi les gens qui ont la foi pour sauver leur âme. But among them who have faith to save their soul. Comme Noé. Like Noah. Il a la foi. He had faith. Pendant 100 ans. Sa foi n'a jamais bougé. Pendant 100 ans. Il n'a jamais écouté personne. Never to else. Ils se sont moqués de lui. They ils s'en foutent d'eux. Really ne them. Sois pas. Do not be parmi les gens qui se retirent pour perdre leur âme. Among them, sauf parmi les gens qui ont la foi pour sauver leur âme. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Sauve nos âmes. Vous ne pas péchez contre le Saint-Esprit. Ne péchez pas contre le Saint-Esprit. Le scandale est là. Il est nécessaire qu'il soit là. Le Saint-Esprit est là. Blessé contre le Saint-Esprit est là. Il est nécessaire. Que quelqu'un blesse le Saint-Esprit. Mais ne sois pas parmi les gens qui vont blesser le Saint-Esprit. Ce qui est le marrant, ce qui est pire. What is worse?
Ce qui est pire. What is worse? Quelqu'un lui, on ne sait pas comment lui, il allait faire pécher contre le Saint-Esprit. Somebody don't have the same. Et puis il est là pour partager aux gens. And then he's there sharing. Tu sais ce qui s'est passé? Et tu connais la vérité? Je te dis la vérité. Il partage aussi aux gens gratuitement. He also shares with the people free. Bien-aimé. Beloved. Bien-aimé. Beloved. Il y a des descendants qui sont déjà maudits. There are descendants which are already cursed. Ils sont maudits comme leur papa. They're cursed like ils sont maudits comme leur maman. They're cursed like ils viennent d'une famille de démons en chair. They come from a family. Et là, il n'y a pas de quelque chose de bon qui peut jamais sortir. And there's nothing ça good ne sortira jamais. It will never come out. Ne sois pas avec ces gens. Do not be with these people. Ne sois pas avec ces gens. Do not be with these people. Sinon, tu vas regretter. Otherwise, you're going to regret. Tu regretteras. You will regret. 1 Samuel chapitre 2 verset 25. 1 Samuel 2 verse 25. 1 Samuel chapitre 2 verset 25. 1 Samuel 2 verse 25. La parole de Dieu, notre tout puissant, du Seigneur Jésus Christ de Nazareth. 1 Samuel chapitre 2 verset 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Amen. Si tu pêches contre un homme, si like un homme pêche contre Dieu, if a man sins against God, qui va intercéder pour toi? Who's going to intercede for qui you? Va prier pour toi? Who's going to pray for you? Tu es foutu. You are screwed. Tu es foutu. You are done. Vous êtes foutu. It is finished for you. Il y a les clubs aujourd'hui. There are clubs. Les clubs des sorciers aujourd'hui. Clubs of witches. Qui veulent détruire vos âmes. Who want to destroy your souls attention. Also. Be careful. Faites-vous attention. Be careful. Ne soyez pas parmi ces gens. Don't be among ils ont le zèle. They have zeal. Le zèle qu'ils ont. Le zèle qu'ils ont, c'est le zèle de blasphème contre le Saint-Esprit. Le zèle qu'ils ont pour vous, le zèle n'est pas un zèle pur. Le zèle n'est pas un zèle pur. Mais ils veulent vous détacher de le Saint-Esprit. Ils voulaient vous détacher de Saint-Esprit. Afin que vous soyez zélés pour eux dans le blasphème. So ils voulaient vous détacher contre le Saint-Esprit. Ils voulaient vous séparer avec le Saint-Esprit. N'acceptez pas. Do not accept. Tout ce qui va vous dire, fuyez-le. Quand vous le voyez, fuyez-le. Ça les fait mal. Quand ils appellent les gens, des serpents, c'est toujours pour te saluer, serpent. Just to greet you, snake. De briser. The cracks. Serpent. Snakes. Toujours, je vais te saluer. I just want to greet you. J'ai un petit forfait là. Ils parlent comme des gens qui sont, des hommes que la vie fait pitié. Ils savent ce qu'il y a derrière. They speak of people. Ils savent ce qu'ils ont derrière. Ils veulent vous poignarder. They want to stab you. Ils veulent vous tuer. They want to kill you. Non, toujours pour vous saluer. Oh, not just to greet petit you. Forfait là, j'ai un petit crédit là, c'est pour te saluer. Just to greet you. C'est des serpents. They are snakes. Des serpents. They are snakes. Fuyez-le. Flee from ça them. Ça les fait mal. It hurts them. Quand vous les fuyez. When you flee. Parce que les démons qui sont derrière, ça les fait mal parce que leur devoir, c'est détruire tout le monde. The demons who they are because their devoir is to destroy everything. De que tout le monde se pousser tout le monde à pécher contre le Saint-Esprit doucement, doucement. Their homework is to push everybody to sin against the Holy Spirit slowly and slowly. Les zèles qu'ils ont n'ont pas un zèle qui est pur. They do not have a pure zeal. Ils ont des zèles impurs. They have an unclean zeal. Des zèles de mort. They have the zeal of dead people. Il ne faut jamais avoir un zèle de mort. Never have the zeal of a dead person. Non. N'ayez pas le zèle de mort. Do not have the zeal of a dead person. Pourquoi vous voulez séparer les gens? Why do you want to separate people? Pourquoi? Why? Si toi tu ne vois pas le bon là-bas. If you don't see the good. Si tu es sorti, gloire à Dieu. If you came out of it. Vous savez combien de personnes qui ont sorti de l'église catholique? Do you know how many people came out of the Catholic Church? Et qu'est-ce qu'ils disent? And what do they say? Ils ont vu que ce n'est pas bon. They saw that it's not good. Eh mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Now what did they ils do? Ont fait des vidéos, ils ont fait tout, mais regardez l'église catholique, regardez comment ça est là. They made videos for much enough, but look at si vous n'allez pas détruire l'église catholique, if you're not able to destroy c'est the Catholic le but de Dieu que vous pouvez détruire. God's church that you impossible. Destroy? Impossible. 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 Vous pouvez saluer les gens you can turn auprès de tout le monde.
to everybody, auprès de tous vos clubs. To all of your clubs. Vous pouvez avoir vos réseaux de prière. You can have quand your vous êtes regroupés pour prier. Il a fait ça. Il est comme ça. Et c'est dans ça là vous voulez que Dieu se trouve au milieu de vous. You say he did this, he did that, and in doing this, you want God to be impossible. Among you. It is impossible. On peut te saluer auprès de tous. You can be tarnished. Auprès de tout le monde. You can be tarnished. Mais pas auprès de Dieu. But not pas auprès de Dieu. Not towards God. On peut te saluer. You can be tarnished. Auprès de tous. Towards everybody. Mais pas auprès de Dieu. But not towards God. Dieu connaît tous. God knows all. Ceux qui te saluent. Those who tarnish. Ils sont pires que toi. Than you. C'est pourquoi il ne peut pas te saluer devant Dieu. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais ceux qui sont malades. Quel docteur dans ce monde qui a besoin les gens qui sont en bonne santé dans son hôpital? Quel enfant qui dit, maman, moi je vais aller à l'école pour devenir docteur, pour soigner les gens qui sont en bonne santé. Déjà, tu vois qu'il est malade. Who are in good health. Il a une maladie de manteau. Just by saying il that, est you malade. Can see that they're sick mentally. Il a un problème, il a la folie. La folie commence. Vous tous qui vous regroupez, vous regroupez pour me parler mal des gens, vous êtes malade. Oh, you gather to speak bad vous about the people. You are sick. You have sickness. Maladie. You have sickness. Vous allez faire jusqu'à vous être fatigué. You are going to do until you're going c'est to. Ce que vous avez commencé, mais vous êtes fatigué déjà. Just by beginning, vous n'avez you pas are mis respirer. Pour respirer, vous n'avez pas ça. Vous n'avez plus respiration. Ne va pas plus bien pour vous. You're no longer able to breathe well. Regardez comment les maladies qui sont dans vos maisons. Look at the sickness which are vous allez vous allez faire toutes vos analyses. Vous allez rien trouver. C'est les signes de blasphème de le Saint-Esprit. You're going to cough. Do all the analysis, but find nothing. Toi, tu vas maigrir seulement. Tu maigris. You are getting skinny. Parce que tu n'as pas la paix. Because you do not have peace. Toi, tu es là, ton corps chauffe. Tu as chaleur, d'eau, partout. Tous les jours, tu mets l'eau froide, tu n'auras pas la paix. You're there, and your body heats up, your back, your arm. You need to bath in cold water. Jésus est venu, il allait manger avec les prostituées. Jesus came and he ate with prostitutes. Toi, tu as fait manger avec les prostituées. He once ate with prostitutes. Combien de prostituées tu as sauvé dans ta vie? How many prostitutes have you saved? Combien de malades tu as sauvé dans ta vie? How many sick people have you saved? Hey, non, ne me touchez pas. Oh, do not touch me. Tu connais Jésus, tu connais le rôle de Jésus. Do you know Jesus? Vous connaissez le sentiment de Jésus. Do you know Jesus? Le sentiment qui était en Jésus, vous connaissez. Do you know Jesus? Feeling which vous connaissez, do you know, enfant de Dieu, child of God, ne sois pas parmi ces gens. Do not be among these ne people. Ne détruis pas ton âme. Don't destroy your soul. Ce que vous croyez que ça n'existe pas. What you know tu crois que ça n'existe pas. You believe it does not exist. C'est, ça est là. It is there. It exists. Ce qui n'existe pas. What does not exist. Ce qui est là où vous croyez, vous faites semblant comme ça n'existe pas. You believe. You pretend vous as voulez enlever la exist. Peur. You want to take out vous fear. Le Saint-Esprit fait de la section des personnes. However, the Holy Spirit parlez seulement contre quelqu'un qui est le lui de Dieu. Who is the elect vous allez of voir God. Vos fins. You're going to see vous allez voir end. Comment vous allez finir vos fins. You're going to see how you're going to finish in your end. Changez vos change repentez-vous. And repent. Parce que ça ne va jamais vous avantager. Because it's not ça ne va jamais jamais vous avantager. Mais bien aimé, regardez comment les gens sont devenus aujourd'hui. Ils n'arrivent plus à évangéliser. Ils n'arrivent plus à partager. Les chrétiens n'arrivent plus. C'est pour évangéliser là. Tu sais pourquoi j'ai quitté? Tu sais pourquoi j'ai quitté? Pourquoi? C'est tout, leur évangélisation. Their evangelism is, do you know why I left them? Do you know why I'm no longer with them? Do you know why I abandoned them? That's all their evangelism. On va quitter un jour. We're going to leave one day. Vous allez mourir un jour. You're going to die one day. Malheur à toi. Woe to you. Et le jour, on va dire que tu as blessé contre le Saint-Esprit. But on that day, they tell you blasphemy against the Holy Spirit. They will no longer forgive sacrifice. Us. They will no longer sacrifice. And they will never be. Méfiez-vous. Beware. Faites-vous attention. Be careful. De ce qui sort de vos bouches. Of what comes out of your mouth. Méfiez-vous. Be careful. Comportez-vous comme des enfants de Dieu. Behave as children of God. Ne vous comportez pas comme des hommes animosité. Do not behave as animal animal. Men with animosity. Changez vos pensées. Change your thoughts. Changez vos regards. Change your changez ways les choses. Of looking. Change things. Que Dieu vous aide. That God might help you. Bien-aimé. Beloved. On est presque arrivé. We almost knew the end. On est presque arrivé. We almost knew the end. Presque arrivé à la fin. We almost near ne soyez pas opposant. Do not be an opponent.
Peut-être toi tu ignores que tu as péché contre le Saint-Esprit. Maybe you're ignorant to the fact that you sinned against the Holy Spirit. Vous ignorez, vous ne nous ignorez pas. Dès que tu as péché contre le Saint-Esprit, tu vas payer très cher. When you sin against the Holy Spirit, you're going to pay. Tu vas payer très très cher. For it. Faites-vous attention. Beware. De ce qui sort de vos bouches. Overcomes out of your mouth. Faites-vous attention. Be careful. De ce qui sort de vos bouches. Overcomes out of your mouth. Attention. Be careful. Attention. Be careful. Attention. Be careful. Faites-vous attention. Beware. Vous blaguez. You joke. Vous blaguez. You play around. Si vous n'avez aucun travail, allez manger cul dedans. If you do not have any work to do, mangez cul dedans. And eat toothpicks. Pour que vos bouches qui sentent mauvais, là, mangez cul dedans. That your mouth which smell bad, you. Que Dieu nous aide. May God help us. Pas ne pas pécher contre le Saint-Esprit. Do not sin against the Holy Spirit. Que Dieu nous fait grâce. That God show us grace. Qui va te sauver? Who's going to save you? Qui va vous sauver? Who's going to save qui you? Va nous sauver? Who's going to save les us? Gens qui ont créé l'éthologie. They who create their own c'est pour remplacer la parole de Dieu. It's to overturn God's moi, word. J'ai mon théologie, j'ai mon doctorat en théologie. On s'en fout de ton théologie. I have my theology, I have my doctorate in theology. We do not care about Saint-Esprit n'a pas besoin de théologie. Holy Spirit does not need Saint-Esprit theology. N'a pas créé théologie. He did not create theology. Non, théologie dit que depuis le temps des disciples, Saint-Esprit ne parle plus des tués des âmes. Theology says that since the time of the disciples, des the Holy Spirit comme does ça. Not speak anymore. Et ils sont fous. Ils cherchent les enfants des démons. And they look for je prie que Dieu vous donne les enfants des démons à trouver. I pray that God might give you Dieu, the children of demons. Toi qui as caché Jérémie, God, you et Baruch, you hid your cache les enfants Baruch. De Dieu qui restent. Hide the children of God who remain. Péche contre le Saint-Esprit. Do not sin against the si Holy quelqu'un Spirit. Pêche contre le Saint-Esprit, if somebody sins against pourquoi the Holy il est Spirit, né? Why pourquoi was Dieu l'a créé? Why did God even que create Dieu nous aide. May God help que us. Que Dieu nous fait grâce. May God show us grace. Seigneur, Lord, c'est vrai que tu as endurci le cœur. It is true that you have hardened your hearts to my every will. Dieu connaît tout. God knows all. Quand tu te lèves. When you get up. Quand tu t'assois. When you sit. Psaume 139. Psalms 139. Là, vous allez voir tout ce que Dieu connaît. Verse 1 and il connaît vos pensées. God knows il your thoughts. Connaît nos pas. He knows il our a ses regards sur nous. He has his looks il voit on tout us. Ce qu'on fait. He sees all that we do. Ne fais pas jusqu'à pécher contre le Saint-Esprit. Do not do it to the point of sinning against ouais. The Holy Spirit. Il y a pas de Dieu, notre puissant du Seigneur Jésus-Christ sur Nazareth. Psaume 139, premier verset en allant. Au chef des chants, Dieu David, sauve. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Dieu connaît tout le monde. God knows everybody. Il te connaît très bien. He knows you very well. Il me connaît très bien. He knows me very well. Il nous connaît très bien. He knows us very well. Pourquoi vous êtes pressé? Why are you in a hurry? Qui vous a établi juge? Who established you? Qui est le seul juge? There's only one. Qui est le seul législateur? There's only one. Toi, tu es qui? Who are you? Pour juger. To judge. Quand tu juges, when you judge, tu juges la loi de Dieu. You judge God's word. Tu juges jusqu'à blasphème, jusqu'à détruire ton âme. You judge to the point where you judge against the law and vous êtes enragé comme un chien enragé. You are enraged like a dog who has rabies. Oui. Tu sais quand je m'assieds. Dieu connaît quand tu t'assieds. God knows when you sit. Dieu n'a pas besoin que quelqu'un le dise quand tu t'assieds. God does not need somebody to tell Dieu him. Dieu sait quand tu te lèves. God knows when you get up. Il connaît tout de toi. He knows all about plus que toi-même. More than yourself. Tu pénètres de loin ma pensée. Il connaît tout l'un de tes pensées. Il connaît. He knows all of your thoughts. Mauvais bien, il connaît whether tout. Whether it be good or bad, he knows oui. All of them. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Il sait quand tu marches. He knows when you walk. Il sait quand tu dors. He knows when you sleep. Preuve. Chacun de nous, quand on est fatigué, on sait qu'on est fatigué. On s'est allongé pour dormir. On attend le sommeil. When each one of us are tired and we are laid down in order to sleep, take il a nap. Il peut regarder l'heure et dire, ah, quand le sommeil veut m'attraper, j'ai regardé l'heure, c'était 23 heures. Mais à l'heure qu'il a dormi, il ne connaît pas ça. C'est comme ça que Dieu connaît tout de nous. They might say that, you know, when I was about to sleep, it was around 5 p.m. in the night. However, they do not know the exact hour when sleep took them away. Ouais. Et tu pénètres toutes mes voies. Il connaît toutes les voies. Il pénètre toutes les voies. And he penetrates all of the ways. Bien-aimé, faites-vous attention. Beloved, be careful. Si nous voyons Hébreux chapitre 3, chapitre 4, if you see Hebrews 4, 13, 12 to 13, il n'y a rien de secret. Devant Dieu. There is no secret il n'y a pas de secret qui ne sera pas dévoilé. Which will not il n'y a pas. There isn't. Il n'y a pas. There isn't. It does not exist. Be oui. Careful. Il y a pas de Dieu non puissant du Saint-Esprit sur Nazareth. Hébreux chapitre 4, verset 12 à 13.
car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, il est vivant, il est efficace. God's word is alive. Plus tranchant qu'une épée. Plus tranchant, quand on parle de tranchant, plus tranchant, pénètre. Sharper than a two-edged sword. Il n'y a rien qui peut empêcher de ne pas pénétrer. There is nothing which can prevent it from il n'y a aucun individu. There is no individual. Il n'y a aucune force qui peut empêcher. There is no power si tu es comme ça, fais ton attention. Be careful. Ouais. Pénétrant jusqu'à partager âme et pénétrant jusqu'à partager. Il partage âme. It shares the soul. Âme. Et esprit. Et esprit. It separates the soul and the spirit. Ce que tu as dans ton âme. All that you have in your soul. Si tu as la sorcellerie dans ton âme. Whether you have witchcraft in si your soul. Si tu as la méchanceté dans ton âme. Whether you have wickedness si tu as magie dans ton âme. Whether you have magic in your soul. Il connaît tout. He knows everything. Il sait tout. He knows everything. Nous avons des anges. We have angels. Enfant de Dieu, tout enfant de Dieu a deux anges. All children of God have two angels. Il y a un, lui, il est là pour écrire tout ce que tu fais mauvais. There's one who's there to write all the bad things you do. Même si tu ne parles pas, il prend le peu de Dieu pour te pénétrer. Even if you do not speak, they say God. Pour te sortir tout ce qui est en toi. So to penetrate you and to bring out tout all that is within you. They bring out all that is within you. L'âme. They et quoi? Separate. Et esprit. Et esprit, ton esprit. Your soul and your spirit. Si ton esprit ne vient pas de Dieu, il connaît. If your spirit does not come from God, they know it. Tu es démon en chair, il va écrire tout sur toi. Whether you're a demon in flesh, they're going to write everything about you. Il va noter tout sur toi. They're going to note down everything ouais. Concerning you. Jointure et moelle. Jointure et moelle. Joints and marrows. Il connaît tout ce qui est là-bas. They know everything which il is found. Il connaît, il jume les sentiments, même les pensées du cœur. They even judge the thoughts, the feelings il of the heart. Il connaît tout. They know everything. Si tu fais semblant devant les gens comme Dieu ne te connaît pas, il te connaît très bien. If you pretend before people as if God does not know you, he knows you very well. Nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est pas cachée devant Dieu. No creation is hidden before God. Il n'y a pas. There isn't. Et il n'y aura pas. And there will never be. Fais attention. Be careful. Que le jour on te dit que tu as péché contre le Saint-Esprit. That on that day you be told that you sinned against the Holy si Spirit. Toi qui m'écoutes. If you listening to me. Si tu as péché contre le Saint-Esprit. Sinned against the Holy Spirit. Le seul moyen que je vais te dire. The only way I can tell you. Il faut rentrer dans les sept vite même. Is to go into sets quickly. Il faut commencer à tuer les gens qui ont déjà blasphémé le Saint-Esprit. You need to begin killing people who pour sin faire against de the Holy Spirit in order to make parce money. Parce que ta vie encore n'a pas de sens. Because your life no longer has any meaning. Il faut s'enrichir. You need to get rich. Au moins il faut avoir ton paradis ici d'abord. At least have your paradise here in order first. Regarde comment tu es pauvre. Look at the way you are poor. Comme souris de l'église. Like these church mice. Tous les souris qui sont à l'église, qu'est-ce qu'ils veulent manger? All the church mice, what are they going to eat over there? Si c'est pas que la Bible, qui va laisser ta Bible là-bas? If it's not the Bible, but who's going to leave the Bible? Il n'y a pas l'argent pour acheter la Bible. Qui va voir sa Bible puis laisser à l'église? Who's going to leave their Bibles at church when it's hard? Tu vas manger le mur. You're going to eat the wall. Vous êtes pauvre. You are poor. Mais c'est vous qui parlez mal. But it's you on the other et hand who speaks bad. Et tout ce qui sort de vos bouches. And all that comes out of your mouth. Je note ça chaque jour. God puts it down, notes note it down ça. Every single day. Vous allez faire tout. You're going to do everything. Vous allez nourrir les champs. You're going to feed people. Pour qu'ils quittent. That they might leave. Pour finish. But in the end. Ils vont vous manger bien. They're going to eat you. Comment tu vous as, il y a des gens qui ont l'argent. There are some people who have money. Les gens vont porter vos habits. Il va prendre votre argent. Le jour de voter, il ne va jamais vous voter. On the day to vote for you, they will parce not vote qu'il ne vous a jamais aimé. Because they never loved you. Ils vous détestent. They hate ils vous dislike you. Tout ce que vous allez leur dire. Il va s'approcher de vous. They're going to get near to you. Vous finir tous vos biens. To finish all of your goods. Boire tout vos sang. To drink your blood. Regarde comment vous souffrez. Look at the way you suffer. Regarde comment vous souffrez. Look at the way you suffer. Qui peut blasphémer contre le Saint-Esprit, puis il y a la paix en lui. Who can blaspheme against the Holy Spirit and have peace inside of him? Impossible. La paix. You will never have peace. Vous êtes dans les douleurs, mais vous voulez prêcher l'amour. You are in pain, but you want to preach love. Comment prêcher l'amour et puis vous serrez les dents pour prêcher l'amour? How can you preach love? Jésus est amour, Jésus est amour. C'est quel amour ça? That today, Jesus is love. Jesus moi, Jésus est dans la joie et puis tu parles mal. I'm in joy and you speak bad. Non, c'est faux. No, it's false. Il n'y a aucune créature. There is no creation. Il n'y a pas ce qu'on va faire que Dieu ne connaît pas. Which God does not know. Ouais. Mais tout est à nu et à tout découvert. Tout est à nu et à découvert. But all are naked and open. Tout est à nu et à découvert. All is naked and open. Mais bien aimé.
Beloved, nous en avons besoin du Saint-Esprit. We need the Holy Spirit. Qu'il soit nos amis. That he might be our friends. Un conseil. That he might advise us. C'est admirable. The admirable counselor. C'est un conseil admirable. He's a wonderful counselor. Il va te donner de bons conseils. He's going to give you good advice. Quand tu es fatigué, appelle-le. When you're tired, call him. Il va te parler. He's going to speak to you. Il va dire sois fort. He's going to say to you, be strong. Lui ne vient jamais pour te décourager. He never comes to discourage you. N'importe quel péché que tu peux faire. No matter what the sin ton péché peut être devenu noir n'importe comment. It can be black. No matter how, red, no matter how. Le jour que tu vas prendre conscience the day you're going to take que tu es la créature de Dieu that you're the creation et of God, que tu es l'enfant de Dieu and that you're a child of God, qui n'a qu'à te bénir that he must bless il you. Va te bénir he's going to bless you. Il dit he says, vous you, qui demandez Dieu jour et nuit who ask God day and night, si vous avez un ami if you have a friend, il vient au milieu de la nuit frappe votre porte comes in the night et puis vous dit qu'il a besoin de trois pains and says to you that he et puis ton ami te dit que mon ami je ne peux rien te donner moi et ma femme mes enfants sont déjà au lit me, my children, and my wife c'est pas à cause de l'amitié if because of friendship, mais comment il va te déranger but because of the way he's going to disturb the other obligé de se lever pour lui donner ce qu'il veut you'll be obliged to get up and give et him whatever he needs et Dieu demande nous ses enfants qu'il a appelé jour et nuit and God says to ask the children who call upon him day and night, répondre, will he not answer us? He's going to answer us quickly. He's going to give us the Holy Spirit. On en a besoin. He knows that we need et it. Partout, tu iras. And wherever you will go, tu vas pas presser pour parler. You will not be in a hurry to speak. À le même Saint-Esprit parlera à ta faveur. At the point, the si c'est devant le juge, il parlera à ta faveur. In your favor. Si c'est devant le président, il parlera à ta faveur. Before president, il t'enseignera ce qu'il a à dire. In your favor. Et tu seras la bouche de Dieu. He will teach you what to say and you become God's mouth. Si tu rattaches à Dieu. If you attach yourself to tu God. Tu seras comme la bouche de Dieu. You will be like God's mouth. Toi, tu n'iras pas vers les champs. You will not go mais towards les gens people. Viendront chez toi. People will come towards c'est you. Comme ça Dieu fait. That's how God does. C'est comme ça Dieu fait. That's how God does. J'invite quelqu'un. I'm inviting somebody. À supplier Dieu. To beg God. De connaître l'état de son âme. To know the state of his soul. S'il n'a pas blessé contre le Saint-Esprit. If he has not blasphemed against the Holy Spirit. Faites-vous attention de ce qui sort dans vos bouches. Be careful what comes out of your mouth. Faites-vous attention de ce qui sort dans vos pensées là. Be careful what comes out of your thoughts. Dieu il juge. God judges. Il connaît tout. He knows all. Qui peut fâcher contre Dieu? Who can be angry at God? Tu es fâché parce que ton frère est mort. You're angry because your brother died. Dieu. And you saw God because of it. Quelqu'un va venir pour bénir Dieu. And on the day of the burial, somebody's going to come and bless vie. God. That's how life Dieu is. Bénit quelqu'un. May God bless celui somebody. Qui a l'oreille. You ask ears. Écoute. Listen. La voix de l'esprit. The voice of the spirit. Écoutez. Listen. Quand Dieu parle à ses enfants. Because God is speaking to his children. Nous sommes arrivés à la fin. We are in the end. Nous prions au nom de Jésus. We pray in the powerful name of Jesus. Dieu protège-nous. God protect us. Cache-nous. Hide us. Comme tu as caché Moïse. As you hid comme Moses. Comme tu as caché Jérémie. As you hid Jeremiah. Pour que nous ne péchions point contre le Saint-Esprit. That we do not sin against the Holy Spirit. Fais-nous cette grâce. Show this grace to us. Merci. Thank you. Et tu nous as donné le Saint-Esprit. Because you gave us the Holy Spirit. Tu seras un ami fidèle. We will be a faithful friend. Tu seras chaque jour à nos côtés. You will be every single day beside us. Dieu merci. Lord, thank comme you. Tu l'as dit, Jean 14, verset 30. As James 4, Jean 14, verset 15. As John 4, si vous m'aimez, he says, if you love gardez me, mes commandements. Keep my commandments. Dieu, God, donne-nous la force. Give us the strength. Pour garder le commandement de Dieu. To keep God's commandments. Si vous gardez le commandement de Dieu, if you keep God's commandments, il va prier pour nous. He's going to pray for us. Que le Saint-Esprit sera en nous. And the Holy Spirit will on be va le voir. We're going to il see sera him. Là. He will il be va there. Nous parler. He's going to speak il sera là us. Pour toujours. He'll be there il ne forever. Nous quittera jamais. He will never leave us. Seigneur, Lord, donne-nous Saint-Esprit. Give us the Holy Spirit. Qu'il soit là. That he be qui, there. Qui nous guide. That he guide qui nous protège. Us. That he protect us. Dieu merci que tu l'as fait. But thank you because pour ton amour. For your love. Parce que tu as dit le prince de ce monde vient. That he said the il prince n'a rien à moi. And he has nothing inside nous. Of me. Lord help que us. C'est le produit de Satan ne soit pas à nous au nom de Jésus. That same process do not be inside of us. Toi qui as commencé cette bonne œuvre. You began this good work. Tu l'achèveras toujours. You will finish it. Merci pour ton amour. Thank you for your love. Merci pour ta protection. Thank you for your protection. Merci pour ta grâce. Thank you for your grace. Nous qui prenons la parole de Dieu. We will take God's word. Pour faire notre parole. To make it our tu words. Prends ta propre parole. You take your et words. Tu dis, c'est Dieu qui a dit. And you say, this God who said, you are dead. Protège-nous. God protect us. Paul, il dit. Paul said.
Ainsi parle l'Éternel. Here speaks the Lord. Ça c'est moi. That is me. Il est clair dans tout ce qu'il dit. He is clear in all that he says. Dieu protège nous. God protect us. Donne-nous la force. Give us strength. Pour te servir. To serve you. Ne nous abandonne pas. Don't abandon us. Ne nous oublie pas. Don't forget us. Merci pour ton amour. Thank you for your love. Dieu que tu nous as donné la force. Thank you because you give us strength. Et tu nous as donné le Saint-Esprit. And the Holy Spirit. Il sera là pour toujours. He will be there forever. Tu as dit que tu ne nous laisseras pas comme orphelins. You said you will not leave us tu as orphans. Tu seras avec nous jusqu'à la fin du you monde. You will be with us until the end of the world. L'Esprit est là avec nous. Thank you because the Holy Spirit il is there with us. Il a donné l'esprit de discernement. He gave us the spirit of discernment. Pour distinguer le bien et le mal. To discern between good and bad. Merci. Thank you. Quand quelqu'un vient auprès de nous. Because somebody quand has... il y a le Saint, quand il va parler, on connaît l'esprit qui est derrière lui. When he comes to speak, you know the spirit Saint which is behind. Parce que tu l'as fait pour ton amour. Because you've done it for your love. Prier, we pray. Demander tout ça là. Ask dans all le of nom puissant de notre Seigneur Jésus. The power of Jesus. Et nous serons tous ceux qui dans and le sang all de Jésus. In the precious blood. Nous avons prié. We've prayed. Amen. Amen. Shalom, 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 shalom.